Voilà. Et en attendant, on va parler du coup d'Eliott qui est sur le plateau. Vas-y. Déjà, gros big up à toute l'équipe de Vision et à Eliott parce que c'est les premiers qui passent dans l'émission et Et qui nous oui, mon ramènent jeune. des beaux linges. Viennent Voilà, pas là les vous mains pouvez vides. voir. Non, non, franchement, ça fait plaisir. Ça fait Merci. plaisir. C'est la moindre des choses. Le Merci merch beaucoup. que vous Merci à voyez vous, les ici. gars. L'actualité est incroyable. Vous La gérez qualité le du textile. tissu, vous pouvez pas la toucher, Soyez. mais si vous voulez la toucher, bah, allez sur leur Insta et allez commander. Comme Vous je pourrez disais en toucher le off, on va textile. se le prêter, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais lavez-vous, moi. Ça fait grave plaisir. Et je voulais en profiter pour que tu sois là un peu pour que tu nous expliques bah, comment ça s'est passé la collaboration avec le projet Vision et puis ce que tu peux faire aussi par ailleurs dans tes projets à toi vu que tu es dans la mode, etc. Explique-nous un petit peu Carrément, carrément. qu'est-ce que tu fais. Bah, la genèse pour Vision. Ouais. Avec Amax et Teg, on se connaît depuis 4 ans à peu près, je dirais. Voilà. Ouais. On s'est rencontrés par le biais d'un autre pote avec lequel je faisais les mêmes études. Yes. Donc j'ai rencontré Amax en premier. Puis bon, on a tout de suite bien accroché, tu vois, dans les centres d'intérêt, la musique, tout ça. Ouais. Mais à cette époque-là, il ne faisait pas de clip. OK. Et en fait, il y a 2 ans, du coup, au début du projet de Vision, tu vois, aux premières vraiment réflexions, tout ça. Je me rappelle, on avait mangé un tacos à Guillotière avec Amax, Yes. et il m'avait Oh là. parlé de ça. La base C'est un de beaucoup risque, de ça. projets. Tu pars mal, là. Place Paul Bert, tout ça. Confiant. Non, non, mais... Et on avait parlé de ça, et moi, j'avais déjà commencé à faire de la mode, effectivement, et tu vois, au détour d'une conversation, ah, ce serait lourd si un jour on faisait du textile, machin, en commun. Puis même, tu vois, il y a beaucoup de connexions à faire entre la musique et le rap. Pardon, entre... la musique rap et la mode. Ouais, et la mode, ouais. Voilà, je pense que moi, c'est une passion pour moi aussi le rap, et du coup, de pouvoir mixer les deux aussi, voilà, c'est vraiment super cool. Yes. Et du coup, c'est un peu né comme ça, tu vois. Et là, quand le documentaire a vraiment été finalisé, tout ça, bah, on s'est recapté, entre Ouais. guillemets, et puis bah, on a décidé que c'était le bon moment pour le faire. D'accord. Avec la release, du coup, avec la Il est de release partie, retour. avec la release partie, du coup, qu'on a faite à Yoshka fin octobre. Yes. Bah voilà, il y avait cette deadline et on a décidé de faire un peu de textile, un peu de merch, donc des t-shirts, des foulards, des bobs aussi, pour essayer de proposer aussi, tu vois, un pantalon, essayer de pas rester en surface avec que du merch qu'on avait peut-être déjà vu, mais profiter de ce que moi j'avais appris dans mes études de mode et de design pour faire un truc un peu plus poussé, on va dire. Donc voilà, on en est là et moi je suis très content de faire ça avec les G. Yes. De pouvoir un peu, tu vois, compléter ce projet, donner une dimension encore peut-être plus ouais, voilà, globale Global, ouais. et apporter un peu, tu vois, la cerise sur le gâteau. On parlait de gâteau tout à l'heure, mais tu vois, c'est ça. On a la farine et tous les ingrédients, et puis moi, je viens mettre le sucre glace. Voilà, c'est juste. Puis c'est juste se dire, voilà, t'as des gens qui suivent, des artistes, des gens qui peuvent s'identifier au projet, à cette culture underground, et de dire que tu peux porter le même textile, le même linge qu'un tel. Je trouve que c'est aussi une manière de fédérer. Voilà, Ouais, de donner de la force aussi au projet pour ceux exactement. qui vont porter. Et puis Exactement. c'est intéressant, comme tu disais, c'est que en termes de collaboration, elle est rarement aussi complète qu'à ce niveau-là, dans le sens où que ça soit visuellement, parce que dans le délire de la pochette, le documentaire, le fait que bah, y ait du merch assorti sur plusieurs pièces, je trouve que ça fait vraiment un panel très important de choses autour de Vision qui Ça fait un permettent univers, de. quoi, c'est Tu cool. parlais tout à l'heure même d'aller jusqu'au paillasson, tu vois, Ouais. mais dans l'idée, je trouve ça intéressant parce que ça crée un vrai univers autour du projet et ça lui permet d'avoir une durée de vie bien plus importante aussi, tu De ouf. Mais on a cette sensation d'avoir fait un truc vraiment complet et ça, c'est vois. cool. Et surtout avec des gens où ça s'est fait naturellement, tu vois, avec Elliot, Casanostra, même Yes. Taxia pour la cover, tu Ouais. vois, Passe au tag. et Françoise pour les photos, tout ça, tu vois. Big Genre up à eux, vraiment, ouais. c'est la famille, tu vois. Ouais. Du coup, ça fait plaisir que ce soit. Genre. Gros Ouais, parce big que up comme à il eux. l'expliquait avant que tu partes, c'est des gens qui sont. Enfin, vous connaissez depuis longtemps, et donc du coup, c'est Ouais. des collaborations entre personnes qui se poussent, etc. Ça, Donc, de ouf. si tu peux montrer d'ailleurs le foulard Foulard. Ah bah ouais. qui est aussi sur le plateau, Oh, pas d'onde. regardez ça. Bam. C'est pas Et magnifique ça. bam. Et ouais. Voilà. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver que ça soit ton travail donc sur cette collaboration et ton travail par ailleurs Du sur tes coup, projets de mode. avec Françoise, du coup, Francuser, que vous pouvez retrouver, vous allez trouver aussi sur l'Insta de Vision. Mais du coup, pour l'instant, Yes. c'est tout sur l'Insta de Vision, Ouais. où il y a des posts où vous pouvez, voilà, voir un peu les différents produits qu'on a fait. Et on va essayer d'en sortir des nouveaux bientôt aussi. Voilà, peut-être des hoodies, des choses. On sait qu'on a eu quelques demandes aussi. Ouais. Donc, ça va tout être updaté sur l'Insta de Vision. Yes. Et puis, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un DM, quoi, parce que ça peut être aussi pour une taille, voilà, pour toute autre information. Ça peut même être un peu personnalisé, quoi. On le fait à petite échelle, donc voilà, l'avantage, c'est qu'on peut répondre à
je sais pas s'il y a un pote qui en veut un ou si c'est quelqu'un à l'autre bout de la France, voilà, on peut ça. Voilà. Ouais, il y a une vraie proximité avec les gens qui souhaitent. Et de l'artisanat. Ouais, puis ouais, voilà, il y a une dimension artisanale et enfin quel plaisir de bosser avec les gens que t'aimes, mais de manière professionnelle, tu vois. Ouais. Enfin, c'est une chance moi, quand même de, d'avoir tous ces gens-là autour de toi qui sont pleins de talent. Donc voilà, et habiller des gens qui sont dans ce délire-là et dans cet esprit-là aussi de partager tout ça, on va dire localement, ah, voilà, ça motive aussi. Ouais. Ça motive à fond. Ouais, de ouf, vous poussez les uns vers les uns les autres vers le haut en fait. Ouais. Et on en parlait un petit peu en off de tes autres projets autour de la mode. Est-ce que ouais. Tu peux un peu plus rapidement du coup ouais, rapidement. Bah du coup moi là j'ai terminé mes études. Ouais. Voilà, j'ai fait un master à Genève l'année dernière et j'ai décidé d'arrêter de pas faire ma deuxième année de master. Yes. Pour me lancer un peu sur un projet associatif. Du coup, moi, je suis originaire de Saint-Priest. Ouais. Et ça me tenait à cœur d'essayer de voilà, transmettre un petit peu ce que j'avais vu en termes de design, de création et de couture aussi, des compétences techniques pendant mes études. Ouais. Essayer d'essayer de le transmettre à des jeunes de ma ville, tu vois, peut-être. Du coup, voilà, d'essayer de ce format associatif. Mm-hmm. Donc, on a fait les démarches pour créer cette association. Yes. En préfecture, tout ça. Ça a malheureusement pas pu aboutir physiquement avec les jeunes parce que, bah, confinement. Yes. Mais dès que c'est possible, ouais, ça va être mis en place. Et du coup, des workshops pour découvrir, tu vois, la couture, le dessin, la vidéo également, tu vois. Et tu vois les ponts immédiatement qui se forment. Ça peut être ouais. Un Max qui vient montrer à des jeunes, voilà. Il y a un vrai truc de transmission. Ouais, voilà. Et puis d'essayer de partager un petit peu. Yep. Et on parlait d'Aulnay. En fait, c'est un projet qui m'a été inspiré par une personne avec qui j'ai bossé. Ouais. J'ai fait un stage avec 093 Lab. Je leur mets un petit SO vite fait. Yes, big up. Du coup, c'est Bastien. Big up. Et Chris, qui sont deux personnes du coup avec qui j'ai bossé en région parisienne et qui ont créé une association du coup 093 Lab qui transmet voilà ce qu'ils ont appris dans le domaine de la mode aussi à Aulnay. Okay. Et à Sevran, donc voilà SOAE. Okay. Et en fait je parle de ça parce que c'est aussi un parallèle avec Vision, tu vois. Mm-hmm. C'est une énergie fédératrice où on a envie de transmettre, de réunir des artistes entre eux, d'étendre un petit peu et voilà, donc, et partager une culture. Exactement. Ouais. Donc il y a aussi des projets évidemment ailleurs en France comme à Aulnay, mais voilà. Yes. Est-ce que tu peux juste rappeler du coup le nom de l'asso pour le concernant? La mienne du ouais. Coup c'est Extramuros. Extramuros. Extramuros, voilà. Yes. 800. Et puis bon, il y aura voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais yes. Merci beaucoup en tout cas. Bah de rien. D'ailleurs de rien. Si on peut en parler, ouais. Si on a un peu de temps quoi. Il lui arrivait un truc, Elliot. Là, je voulais pas en parler. Moi, je vais en parler parce que c'est important qu'on en parle. Ouais. Vas-y, dis-nous. C'est que on lui a copié son travail sur une collection, une grande d'accord. Marque qui lui a copié. Ouais. Sans, mais vraiment au textile près, quoi. Ah ouais. Ok. Et mais il va en parler mieux que moi. Ouais, en fait, il m'est arrivé une dinguerie. Ouais. Vendredi, j'étais au taf et il y a un pote qui m'appelle à 15h30. Et j'allais finir, tu vois. Et je réponds pas, tu vois, je capte pas, je pense. Et puis en fait, je regarde une demi-heure plus tard sur mon Insta et je vois, je sais pas combien de notifs. En fait, je sais pas si vous connaissez Weekday. C'est une marque, enfin ils ont 600 000 abonnés, c'est du groupe H&M. OK. Ils essayent de okay. Enfin voilà, c'est des vêtements. C'est pas la rose de... là, c'est fast fashion, rose. Franchement. C'est pas ça. Non, même pas mais en gros, c'est comme Azos, tu vois. OK. D'accord. Ils ont 600 000 abonnés et je vois que du coup la vidéo, j'avais fait un travail du coup pour l'association, une vidéo où j'avais présenté des vêtements avec des traces de pneus ouais. Réalisées à l'encre sérigraphique, voilà, plusieurs modèles, 6 looks qu'on avait photographié sur des potes, tu vois, fait une vidéo, tout ça de présentation pour faire un support visuel pour l'association. D'accord. Et en fait, ils ont fait exactement la même chose. Donc, okay. En vrai, si putain, vous êtes curieux, si vous voulez aller voir, bah, vous pouvez aller voir sur Extramuros ou alors même sur Weekday. Je préfère que vous alliez sur Extramuros. Allez à la source. Allez à la source. Nom, en fait, voilà. Donc, il y a eu, je sais pas combien de commentaires. Il y a ouais. Eu un peu de haine envers Weekday. Moi, je suis comme un dingue. Je suis surtout déçu parce que, en fait, c'est une association qui vise, tu vois, à promouvoir un truc local ah ouais. Où t'es responsable, où t'as une dimension sociale, où tu partages, où tu fais plein de liens avec la musique, des choses comme ça. Et là, t'as une marque de grande distribution. Tu veux l'utiliser juste pour le business, quoi. Et qui, désolé du terme, qui te baise un peu, tu vois, parce que... Tu peux rien faire, en plus. Enfin... C'est très compliqué. On est en train de voir si légalement, on ouais, peut faire ça. Quelque chose, mais... Tu voilà, boîte souvent, c'est chaud. Donc, voilà, c'est pas... Bon, après, honnêtement, il y a... Voilà, c'est... Pas toi, le message positif, c'est aussi que ce que tu fais ça plaît, ça passe pas inaperçu, donc c'est sûr il faut essayer de, ouais il faut essayer de tirer un maximum tout le monde positif. Te regarde là de fou. Et en tout cas nous on en profite pour ben, soutenir déjà l'asso Extramuros et aller checker ouais. Si vous nous regardez le but c'est aussi ça, c'est qu'à travers
nos émissions, vous puissiez vous intéresser à tous ceux qui passent dans l'émission, qui ont des projets cool, et c'est pour ça qu'on les invite. Oui. Donc moi, je tenais